C'est pour toi, papa. On avait dit qu'on se faisait pas de cadeaux entre nous. Où est-ce que tu entends dans cette phrase qu'on se fait quand même un cadeau? Pas grave. Vous avez pas le droit de te virer. Occupez-vous de ça pour moi. C'est un contrat pour l'achat d'un champ, là, ou je sais pas trop quoi. C'est pour vous. Fais une sale gueule, mesdames. Je peux pas attendre deux secondes avant de klaxonner, non? Tu crois que c'est mon mari qui la répare pas depuis deux ans? Mais fais pas chier! Merde! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça dans la rue et... Je le prends comme un cadeau venu du ciel. Avec ça, on pourra au moins avoir la vie qu'on a toujours rêvé d'avoir. Donc maintenant, à la maison, on vend de la drogue. T'es con ou quoi? Je vais me débarrasser de ce sac. C'est pas la peine. Quoi? C'est énorme. Vous m'étonnez, Pélam. Il m'étonne. Ouais. Vous avez quelque chose qui m'appartient, vous savez? Je peux trouver l'argent, je vous promets, il faut juste un peu de temps, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, David? Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il fallait aux urgences aussi. On n'a pas le choix. On va faire une liste de nos meilleurs clients. Tu te démerdes, tu les motives. 5 grammes. Non, t'en prendras pas 12, comme ça t'en as un en sécu, quoi. C'est pas des denrées périssables, hein. C'est toujours sympa à avoir chez soi, tu comprends? Mais quand je pense comment vous m'avez pris la tête pendant des heures sur tous les dangers de la drogue. Excusez-moi de vous déranger, mais il faut que je te laisse le dossier des stupes dont on a parlé. Mais va me balancer, j'en ai rien à foutre, de toute façon t'as aucune preuve. Madame Pelham, c'est la police. Tes parents sont des gens bien, ils sont honnêtes. Vous êtes honnête. Alors si tu peux, prends exemple sur tes parents.